Bienvenue à la baie de Morlaix. Là, on n'est pas loin de l'Inuit. Il y a autant des oiseaux qui survolent. Dans la baie de Morlaix, c'est interdit d'arcer sur certaines îles protégées de camp jusqu'à camp. Jusqu'à le 31 août, on n'a pas le droit d'arcer sur certaines îles. Les élèves des jardins de mai sont là? Au château du Taureau, d'accord. Est-ce que je vois le château du Taureau par ici? Si. Ici, c'est le château du Taureau. Le château du Taureau, c'était une ancienne prison, c'est ça? Ouais. Quand ils ont construit ça, c'est la première chose, c'est... C'est fort pour protéger la baie. C'est fort pour protéger la baie. Des enlais. Pour éviter que des enlais qui veulent voler du pays. Non, Morlaix. Mais Morlaix, c'est dans le pays de la France. C'est ça le commentaire. Morlaix, c'est le pays de la France. C'est dans le pays de la France. Les commentaires uniques. Oui. Wow, on entend le bruit des oiseaux. Il y a trop de bruit. Qui sont sur l'Inuit. On entend jusqu'ici. Et un peu plus loin, c'est l'Inuit. L'Inuit a été apparu dans les dessins animés Tata, c'est ça? Les bandes dessinées, ouais. De Tata. Et en vietnamien, c'est Tintin à l'Inuit. Il y a des touristes qui débarquent pour visiter le château du Taureau. On va empanner. On va empanner. Oui, c'est prêt. Est-ce que c'est pas trop là, tu me dis, si j'ai bien... Ok. Là, le zoom sur l'île noire. Et après, derrière l'île noire, c'est le village qui s'appelle le Oula, le Téguenès. Non, Téguenès. Téguenès. Et ici, on va approcher l'Inuit. C'est le paradis pour des oiseaux. En principe, oh, des mouettes. Les gens qui sont dessus, les voient. Tu as vu les gens? Oui, on voit deux têtes. On voit pas. C'est un oiseau. Ah, là, je vois toujours pas. Si, on le voit, là. Ils te prennent en photo. Allez, l'ouette, là. Ah oui, oui, oui. Parce que la couleur, c'est comme la couleur des cailloux. Ok.
que je peux voir les oiseaux un peu plus clair. Ah. Ils sont dans les kayaks. Oui. Là, c'est l'Inouette. Ça, c'est sous le vent de l'Inouette. Dans ton phoque. Quel côté? Bah, quel côté? Le bord vient là, le bord de le. Là. Dans ton phoque. Oh, ok. Allez, on est en train. Ok. Il faut avoir la méthode pour naviguer avec un bateau en voile. C'est un ancien phare. C'est ça. Toujours un phare, non? Toujours un phare. Ça marche, mais il maintenant il n'a plus gardien. Maintenant c'est automatique. Maintenant ça devient un phare énergétique. Ok. Ah, devant nous, il y a un autre bateau en voile. Cette tine, comment ça s'appelle déjà? La poudrière. Comment? La poudrière. La poudrière. Est-ce qu'on peut passer entre les deux? C'est Marina, est-ce que c'est pour se voir? Ok. En ce cas-là, je lasse la voile? Ah, le faux. Ok. Oui, on va être en dessous de sous du vent. Ouais, ok, le vent. Ça va repartir. Ouais. Le vent se repose. Regarde ta sétine. Ok, ça recommence. Le vent revient. Et devant le nez du bateau, c'est le poids du conteneur.
en plein été, c'est des fous verts, ils sont tout verts. Après une belle saison des azons en fleurs tout jaune. Ça va bien? Ouais. Deux, trois. Hop. Ouais. Ah là, des fougères. Fougères rouges ou violettes. Je vous invite à venir en baie de Morlaix. Et surtout, n'oubliez pas la ville de Carantec. N'oubliez pas la ville de Carantec. Le ciel, les nuages blancs, comme le coton. Ici c'est le Corbeau. Le Corbeau. C'est sûr? Le derrière nous. Le dos. Non. Non, c'est le cochon. Le grand cochon. Ouais, le grand cochon. Là. Comment? Attention que je n'ai pas quelqu'un. Là c'est à celui-là, c'est qu'un bateau ça. Il est beau là. À Rampoine. À Rampoine. Okay. Derrière le dos de Rampoine, c'est l'une à l'autre qu'on a été à tout à l'heure. Maintenant, à côté du grand vanier, c'est la ville de Carantec.